façon, vous, c'est sûr, vous êtes là, mais vous avez une copine à Paris aussi. Et très tôt, mais je te jure, j'avais quoi? J'avais 12-13 ans, t'entends ça? C'est-à-dire qu'on très tôt, on te dit, ouais, mais t'as quelqu'un là et là-bas. Ouais. C'est le bordel dans ta tête. Aujourd'hui, on se retrouve au Five de Sarcelles avec Yazid de Football Intelligence Training et Weston Baeng, ancien joueur de Newcastle. Les gars, je vous laisse vous présenter. Donc moi, c'est Yazid, Football Intelligence Training. Je suis coach en développement personnel et je m'occupe principalement de jeunes footballeurs, enfin de footballeurs en général. Wesley Baeng, du coup, ancien footballeur professionnel, aujourd'hui cofondateur de MSG Consulting. Donc on accompagne des footballeurs professionnels. Et on est en train de monter un organisme de formation justement pour suivre les footballeurs dans leur reconversion professionnelle. Également consultant foot, Family Football Club et fondateur de Petit Déj & Go, donc société de prestation de petit déj pour les entreprises. Moi, pour être honnête avec vous, je vous ai réunis aujourd'hui tout simplement parce que je vous ai déjà interviewé tous les deux et je me suis rendu compte que vous avez en fait vous menez en fait un parcours qui est totalement similaire. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que votre activité, c'est vraiment, si je ne me trompe pas, après vous me dites, d'élever justement le football en France, d'élever la nouvelle génération aussi qui arrive, les préparer mentalement justement des grandes épreuves qu'ils peuvent rencontrer à travers le sport. Donc du coup, c'est vraiment parti d'un échange avec Yazid sur justement une interview de toi, je crois, si t'es Arte, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Moi, ça fait avant même de te connaître, j'avais vu une interview de Wesley sur Arte. Enfin, c'était pas une interview, c'était un documentaire, exactement, un documentaire Arte sur un jeune, enfin c'était sur le centre de formation du Havre, et Wesley était invité à intervenir justement pour parler aux jeunes de son expérience. Et j'ai trouvé son expérience, enfin son récit beaucoup, enfin je veux dire avec beaucoup de profondeur, il y a vraiment beaucoup de profondeur. Quand tu vois un petit peu le reportage, tu as les jeunes qui sont très très dispersés, hein. Au moment où il parle lui, je les vois tous comme ça. Et le petit talent du reportage, à un moment, tu vois, quand il parle, il est comme ça, en train de se ronger les ongles, et tu sens que en fait, ça travaille dans sa tête. Je sais que justement, Yazid, il avait pas mal de questions à te poser par rapport à ton parcours. Du coup, le football, ça commence à quel âge? Ça commence quand? Moi, le football, ça commence en bas du quartier, à Blanc-Ménil. Donc moi, voilà, je suis originaire du Blanc-Ménil, plus précisément du quartier Pasteur. J'ai eu la chance de grandir avec beaucoup de monde. Donc mon oncle, c'était un mordu de football et c'est lui qui a commencé à m'entraîner un peu individuellement. Et à 7 ans, je crois à l'âge de 7 ans, donc je me suis inscrit. Donc à l'époque, ça s'appelait Poussin. T'sais, maintenant, c'est U8, U9 et tout. Donc je me suis inscrit en Poussin, en club. Et tu sais, mais vraiment, limite, c'est parce qu'on m'a dit qu'il fallait s'inscrire dans un club. Moi, ça m'allait de jouer au foot au quartier. Donc je me suis inscrit dans le club de ma ville, au Blanc-Ménil. Et c'est allé très, très vite. Parce que même si on m'entend aujourd'hui toujours parler de ma ville, au final j'ai fait Poussin, deuxième année, Benjamin première année, et j'ai signé au Havre. Donc j'ai joué que 2 ans à Blanc-Ménil quand j'étais petit. Oh, ça a été très ça allait super vite. Moi j'étais vraiment un passionné, je regardais tous les matchs, il pouvait pleuvoir, neiger, etc. Je sortais jouer au foot et je pense que c'est cette passion qui m'a amené des opportunités. Ça veut dire qu'en fait, après Benjamin, ça veut dire à 13 ans, tu as bougé de chez toi? Non, moi je partais plus tôt encore, parce qu'à l'époque, donc Poussin deuxième année, Benjamin première année. Donc Benjamin première année, t'es en CM1. Ah, donc t'as 10 non, ans. Non, t'es en CM2. Voilà. Je suis arrivé au Havre, je rentre au collège. Je suis parti à 10 ans, vu que je suis né en septembre. Donc t'as 10-11 ans de Blanc-Ménil, tu pars à… Très très tôt, ouais. D'accord. Et tu sais qu'il y a une statistique qui dit que plus tôt on part, moins on a de chance de réussir. Exactement. Ouais. Bah oui. Ouais. Parce que quand tu pars très tôt comme ça, déjà très vite, tu connais la pression. Tu vois, c'est-à-dire niveau insouciance… Tu sais, ton adolescence, au final, quand là j'en parle avec du recul, les gens me disent « mais en fait, t'avais des décisions d'adulte à prendre, ouais, étant ado ». Et surtout, tu sais, à chaque fin de saison, t'as des joueurs qui ne sont pas conservés. Et en fait, nous, sans le savoir, bah, très tôt, on apprenait à gérer la pression. Tu vois, mais moi, aujourd'hui, je suis papa, ma fille, elle va avoir 11 ans. Et quand je la regarde, je me dis « waouh, à cet âge-là, je suis parti au Havre ». Tes parents, ils en ont pensé quoi, en fait, de partir aussi tôt? En fait… Tu vois, pour bien remettre les choses dans le contexte, c'est que à l'âge que j'ai, moi physiquement j'étais un peu grand déjà. Donc je traînais avec des gens un peu plus âgés que moi. Et en fait, le Havre, quand ils sont venus et tout, voilà, on aimerait qu'ils signent dans le club et tout ça. À l'époque, donc le Havre et Blanc-Ménil étaient des clubs partenaires. Mais surtout, le choix pour ma famille, c'était même pas le foot. Ils voulaient que je sois loin du quartier. C'était ça le vrai choix, en fait. Tu vois, c'était surtout… parce qu'à l'époque, c'était en 2000,
Ma famille, elle est, c'est pas que centre de formation, plus tard, ça veut dire que peut-être football, etc. Ils savaient même pas, moi-même, je ne savais pas. Et c'était plus, ok, il va avoir une structure, parce que le Havre, quand ils m'ont sollicité, ils ont mis en avant le projet scolaire. Et c'est ce qui a touché ma famille. Et au final, et je pense que c'est le choix qui a sauvé ma vie, tu vois, parce que on va pas se mentir, quand tu repars à cette époque-là, en termes de modèle de réussite, c'était le foot ou le rap. C'est cliché de dire ça, mais c'est une réalité. Moi, j'ai 32 ans aujourd'hui. À l'époque, c'était le foot. Nos modèles de réussite, c'était foot ou rap. Le foot, on ne savait pas qu'il y avait tout un cheminement, centre de formation, le rap et annexe, les bêtises. Tu vois ce que je veux dire? Et on sait de quelles bêtises on parle. Donc, au final, vu que tout ça, ça arrive quand tu rentres au collège. Tu vois, les premiers trucs, voilà, les premiers business et compagnie. Et vu que ma famille voyait mes amis. Bah, tu sais, il y a la cigarette qui arrive, et puis derrière, autre chose, et puis ceci, et puis cela. Et je pense que c'est surtout ça qui a forcé la décision. Parce que je pleurais, je voulais pas partir, moi, au début. Ouais, je voulais pas partir. C'est 10 ans, c'est tu veux être avec tes potes. Franchement, ces années-là, c'est magnifique. Et je m'en rappelle de pleurer, parce qu'à un moment donné, il y avait des gens qui s'opposaient à mon départ. Et de pleurer parce qu'à un moment donné, il fallait vraiment partir. Tu vois ? Donc, quoi qu'il arrive, je pleurais. Tu as parlé des deux facteurs, tu as dit par rapport à. Tu dis, c'était le foot ou le rap. Ouais. Aujourd'hui, il y a le foot, le rap et Internet. Parce que tu as Internet et la télé-réalité, parce que tu as tout ce qui est aussi influenceur, tout ce qui est. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a. C'est aujourd'hui. Même si avant, nous, on voyait foot ou rap, aujourd'hui, ils ont juste une alternative de plus. Ils ne voient pas autre chose, les jeunes, en fait. Alors que ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, tu as énormément de modèles de réussite issus des quartiers. Mmh. Dans des domaines, mais que ce soit la finance, la politique, le sport. Mais pas mis en avant. Voilà. Et du coup, limite, bah, c'est un peu du par nous pour nous. Tu vois, c'est aussi à nous de mettre certaines personnes en avant et tout. Je pense qu'aujourd'hui, tu as quand même un champ des possibles qui est un peu plus large. Mais c'est vrai que les jeunes, ils sont malgré tout dans. Tu vois, il force un peu sur le foot ou la musique. Et aujourd'hui, je me sers, mais bon, on aura l'occasion d'en parler, j'essaye d'avoir un impact social sur ça pour dire que, ouais, le foot, c'est bien, mais beaucoup de candidats, très peu d'élus. Du coup, tu voulais rebondir, tu sais sur quoi? Non, moi, je voulais revenir. Vas-y. Voilà, je voulais revenir sur, là, en fait, tu pars à 10-11 ans, tu arrives au Havre. Ouais. Voilà, là, on arrive au Havre, on est au centre de formation. Ouais. Ça veut dire que chaque année, déjà, c'est la première année que tu commences à comprendre la concurrence. Ouais, en fait, tu sais, quand tu arrives, tu vois, je vais bien t'expliquer. Quand on arrive au Havre à l'époque, donc sans le savoir, donc je me retrouve, il y a Dimitri Payet, Steve Mandanda. Mais tu sais, on est tous des. Bon, ils sont un peu plus âgés que moi, mais on est tous des gamins. Didier Digard, Carlos Kameni, Florent Sinama Pongol, Anthony Le Talec, bref, et j'en passe, mais tu vois, on est juste là, on kiffe. Et c'est vrai que tu réalises pas. Et au bout d'un mois et demi, ça manque quand même la maison, tu vois. Tu sais, et limite, de manière collective, tu vois, tu sens qu'on est plusieurs à commencer à. Tu sais, il y en a, ils pleurent. Oui. Il y en a, ils ont dit au club, ouais, moi je veux rentrer, j'arrête, tu vois. Et c'est là, tu vois, le temps passe et tu te rends compte qu'en fait, mentalement, tu es en train de construire quelque chose de très fort. Tu vois, tu te dis, waouh, attends, les gars là, ils sont pas bien. Hein, et tu sens que même, du coup, sur le terrain, ils sont pas bien. Et moi, ce qui me sauvait, c'est certes, ma famille me manquait énormément, mes amis et tout. Mais sur le terrain, à l'entraînement, je mettais tout le monde d'accord. Et moi, je suis 89 et je m'entraînais avec les 88. Parce que mon physique, il disait j'étais un présu et tout, j'étais grand déjà, tu vois. Et du coup, ça me sauvait en fait, j'oubliais tout. Mais c'est vrai que par moment, et donc on rentrait peut-être une fois par mois, quand je rentrais, donc j'étais content de rentrer, je me rappelle, ma grand-mère, limite, elle me disait, ah ouais, tu nous calcules pas, j'arrivais, je posais mon sac, je sortais. C'est comme si, tu sais, quand je rentrais, je vivais ma vie que liberté, je dois vivre. La liberté. Ouais, la vie que je dois vivre. Tu vois, ouais. Donc je rentrais vite, je posais mon sac. Et tu sais quoi, je faisais rien d'exceptionnel. Hein. Je restais en bas avec mes potes. Tu vois, mais c'est comme si, tu sais, j'étais pas fini en termes de d'adolescence et tout ça. J'avais besoin de vivre ça. Et par contre, quand je repartais au Havre, et c'est ce que j'ai pu dire à maintes reprises, c'est différent. Déjà, tu arrives, tu vois des différences. T'en as, ils ont des nouvelles requins. Nouveau nanani, nouveau nanana, nouveau manteau, Redskins et tout à l'époque, tu vois. Ouais. Et moi, t'es ma famille, on était dans le besoin, tu vois, c'était compliqué. Et du coup,
ça crée des... Ah non, mais en fait, si le foot, ça va, je vais pouvoir moi-même m'en sortir et, tu vois, combler ce petit retard. Et très tôt, en fait, tu sais, tu pars sur des réflexions de grands. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Très, très tôt. Je me rappelle parce que c'était Gare Saint-Lazare. Et tu voyais donc souvent des familles qui accompagnaient les joueurs et tout ça. Moi, très tôt, ouais, je prenais moins à voir eux tout seul, tu vois, et sans vouloir à ma famille ou quoi. Mais très tôt, j'avais ce truc de hey, « je me débrouille ». Tu vois, c'est-à-dire de Blanc-Ménier, je prenais le 346, gare de Bondy, RERE, j'allais à Saint-Lazare, tu vois. Et je voyais les autres, ils arrivaient avec leurs parents, bisous, câlins, tag, tout le temps je les regardais, nouvelle requin, nouvelle veste, banane Lacoste à l'époque, c'était ça, banane Lacoste, nan, nan. Et quand tu vois tout ça, et je vais pas te mentir, moi des fois je repartais au Havre, t'as vu, je l'ai peut-être jamais dit, j'avais 20 francs, frère. Tu vois, 20 francs, je pars dimanche, mardi, il n'y a plus rien, tu vois. Les autres, je voyais 100 francs, 150 francs, 200, 300 francs. Et surtout que vu qu'on était très intimes, tu vois, les mêmes chambres et tout ça, c'est-à-dire on voit l'autre il a ci, l'autre il a ça. Et ça veut dire très vite, tu te dis wow non là, c'est. Moi je suis. Vous ok, jouez, moi en tout cas je vais sortir pro. Débrouillez-vous, moi déjà je vais prendre une place. C'est. J'avais pas la même dalle. Et c'est pour ça que très tôt, on me disait mais t'es mature. Tu sais, j'ai pas compris. Très tôt, capitaine, ou sinon, tu sais, surveillant de nuit. Et j'étais un peu relais avec les jeunes, avec les coachs et tout ça. Mais c'est parce qu'en fait, t'es tous ces facteurs-là, ça m'a... de 10 ans, j'ai sauté, tu vois, 10, 14. Mais c'est 4 ans. En fait, c'est bien ce que tu dis, parce que tu dis 10, 14. Mais ces 4 ans-là, tu les as pas vécu, en fait. Parce qu'il faut vivre une vie de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. Toi, t'arrives, tu pars à 11 ans, t'as déjà 14, 15 ans dans ta tête. Ouais. C'est pas forcément facile, parce qu'en fait, tu forces. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Non, c'est vrai. Et en plus, tu commences à me dire, au début, t'es dans le jeu, tout va bien. Et là, tu commences à avoir des idées parce que, bah, tu vois, avec l'argent, avec le foot, on peut gagner de l'argent, tout ça. Et on commence déjà à avoir des idées d'argent, des trucs. Notre cerveau, il n'est plus comme ça. Il part là, et si je peux faire ça et ça, il est déjà dans les comptes, déjà dans le futur. Les calculs. Déjà dans le futur, ah, voilà, c'est ça. Il n'est plus dans le jeu et jamais. Mais tu sais, à l'époque, j'ai l'impression aussi que tout le monde est dans la découverte. C'est-à-dire que nous, on découvre en tant que jeunes, on découvre le centre de formation. Et nos parents, vu qu'on est un peu la première génération qui a allé en centre de formation, et nos parents, ils découvrent l'engouement. T'as vu, nous, nos parents, des gens modestes, leur petit boulot. Moi, ma mère, elle t'a fait dans une usine à Villenoy. Mon père, des petits boulots, t'es casse-pipe, tu vois, c'est-à-dire anonymat. Depuis tout petit, ils ont été dans la discrétion, dans un peu la gêne, on ne se met pas en avant, là, là. Et du jour au lendemain, tout le monde te parle de ton fils tout le temps. C'est ça. Et je pense que, tu vois, ma famille, elle a eu du mal à gérer ça. Moi aussi, j'ai eu du mal à gérer ça. Et je vois, et encore, je dis ma famille, elle a eu du mal. Mais malgré tout, ils essayaient de prendre un peu de hauteur, tu vois. Mais il y avait d'autres familles, vraiment, je les revois. Ils étaient là, putain. Limite, quand ils partaient, tu sens que le mec, je crois même les mecs après, ils disaient. Ah, c'est bon, tu vois. Ouais, c'était trop. Ah, je peux dire des gros mots, je peux. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que cet apprentissage-là, ça a fait de nous des ados. Tu vois, même au collège, très vite, j'ai compris que. Tu vois, même les profs, ils nous parlaient beaucoup, on était des relais. Très vite, nous, on se sentait matures. Et très vite, les adultes ont compris qu'ils pouvaient aborder certains sujets avec nous. En plus, on était dans un collège au Havre, dans les quartiers un peu du Havre. Et tu sais, il y avait un peu des petits problèmes avec les mecs de là-bas et tout ça. Il y avait voilà, un peu de jalousie. À un moment donné, ils sont rentrés cagoulés dans le collège, c'est passé aux infos, etc. Et tu vois, on était dans un truc où il fallait aussi gérer, entre guillemets, le succès avec les filles, tu vois. Sans manquer de respect à qui que ce soit, mais tu vois, on a attiré beaucoup l'attention sur nous. Non, mais et limite, t'es éduqué comme ça, donc c'est ce qui te nourrit. T'as besoin de ça, tu vois. Tu le savais pas. Tu découvres et après t'en as besoin. Quand tu parles donc dans cette aux jeunes du centre de formation du Havre là, d'accord. Et tu leur dis quand je reviens au quartier et en fait tout ce que tu vis à l'intérieur par rapport à tout ce que tu perçois, parce que bah à mon avis plus tu vas plus tu avances dans le temps et plus tu restes dans le centre de formation, plus t'es gardé, plus on croit en toi et plus on voit en toi. Ouais bah bien sûr. En fait c'est super intéressant ce que tu dis. En fait c'est comme si tu dis au début t'as 11-12 ans. Ah ouais, c'est le Havre, mortel, sans plus. Tu vois, tu rentres à la cité, ah ça va, ça se passe bien, nan, nan. Chut, les gens ils font leur chemin. 13, 14, puis tu commences à jouer hors de la Normandie. Donc tu joues un peu contre des équipes franciliennes, on vient voir, donc les gens ils te voient avec le maillot du Havre et tout. Déjà ça grandit un peu. Ah et tout, ça va voir la famille, je suis parti voir Wesley contre la CBB, truc de fou. Et tu vois, même ma famille elle commence à voir d'autres gens venir, des compliments.
16, 17, des articles de presse, par-ci, par-là, ton nom il tourne. Et en fait, tu sens que petit à petit, il y a des questions. Eh, c'est quand on te voit à la télé? Eh, non. Ouais, donc, et au début, c'était un petit cercle qui te parlait de foot. Et des anciens qui ont, je ne sais pas quel âge, ils viennent te voir. Alors, le foot, ça va. Mm-hmm. Et tu sens que, en fait, tu deviens intéressant pour tout le monde. Moi, je dis. Les mamans, intéressant, exactement voilà, ce que tu as dit. Et les mamans du quartier et tout ça. Mon fils, on est fiers de toi. Et toi, tu te dis, mais j'ai fait quoi pour qu'ils soient fiers de moi? Bah en fait, ils t'ont inventé une vie que tu crois c'est que tu as fait à cause d'eux. À force qu'on te dise ça, voilà. Bah au final, tu dis, bah, je l'ai fait. C'est ça. C'est comme un enfant qu'à force, tu dis, t'es bête, à la fin, ils disent, je suis bête. Comme on dit, t'es une qui peuvent dire un mensonge répété 1000 fois, bah, à un moment, il devient vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu ça dans le sens où. Ils vivent dans la vie de tous les jours en plus. Ouais, on est fiers de toi. Ouais, nanani. Ouais, nanani. Et des gens qui ne savent même pas c'est quoi un penalty. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne savent même pas c'est quoi un hors-jeu. Et du coup. Toi, qui est jeune, eh ben, tu prends goût à ça. Comment toi, tu as géré cette pression entre justement les personnes qui viennent te voir et qui disent tout le temps « Ouais, maintenant, on est fiers de ce que tu fais, t'es ouaf, tu sais, les gens, ils sont contents pour toi, etc. » Déjà, par rapport aux filles, comment tu as géré cette pression-là? Ouais. Est-ce que ça t'a pas perturbé dans ta carrière de footballeur? Parce que moi, je pense que des fois, quand tu mets trop de pression justement à un enfant, comme l'a dit souvent Yazid, t'es fort. Des fois, il y en a, en fait, ça peut totalement les déstabiliser. Et en fait, après, des fois, ils peuvent être amenés à faire n'importe quoi sur le terrain, tu vois. Mais toi, est-ce que ça t'a propulsé? Est-ce que ça t'a aidé? Le paradoxe, c'est que plus j'avançais dans mon adolescence et plus j'ai eu des difficultés de vie, tu vois, au sein de ma famille, des proches qui sont tombés malades gravement, nanana. Et en fait, limite, tu vois, tout ce que tu dis, ce succès, etc., bah, j'étais content, mais à côté de ça, vu qu'il y avait pas mal de soucis, ça veut dire que ça a contrebalancé en fait. Moi, très tôt, à partir de 14-15 ans, j'ai eu affaire à des décès, parents emprisonnés, tu vois, des trucs tu vois ce que je veux dire. Je me suis retrouvé, moi, à 15-16 ans, je faisais des mandats à ma mère, tu vois. Et ça veut dire que même à la poste, il devenait ouf quand il me voyait arriver. Tu lui dis, mais tu vois, c'est quoi ce petit, hein? Ça veut dire qu'au final, très vite, pas le temps de savourer. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très souriant, etc. Hein, mais j'ai toujours caché, tu vois, par le sourire, etc. Les gens, ils savent pas la vie que j'avais. Tu vois, j'avais une vie de malade. Moi, je rentrais, t'as vu, quand tout le monde rentrait, moi, ma mère, elle va m'emmener au puce de Clignancourt, moi, ma mère, elle m'emmène à Rony 2, nanana. Moi, je rentrais du Havre avec mon sac, j'arrivais à Saint-Lazare, je prenais les transports, j'allais à l'hôpital à Meaux, tu vois, pour voir ma mère. Et ma mère, elle était hospitalisée. Ça veut dire que t'es dans un autre truc encore. Tu vois, mais c'est vrai qu'avec du recul, tu te dis pour un jeune, c'est énorme. Ouais. Mais à ce moment-là, il n'y a rien. Tu es au centre de formation du Havre, ce qui est quand même un des meilleurs de France, hein, même si le club est en Ligue 2. Et à cette époque-là, alors là, c'est encore plus, ouais, je crois. Tu es dans ce centre de formation-là, il n'y a personne qui est au courant de ta vie. Enfin, je veux dire, les adultes, les adultes de formation. Il n'y a personne qui est au courant de ta vie et qui te propose de l'aide ou qui fait attention à toi. Ils étaient au courant de certaines choses, tu vois. Ils étaient au courant de certaines choses. Et donc, ils venaient un peu, ils prenaient des nouvelles, etc. Mais moi, ça va. Tu sais, limite, laissez-moi dealer avec ça, tu vois. C'est mon problème. Et limite, ce qui est fou, c'est peut-être sadique, j'en sais rien, j'ai pris goût à la difficulté. J'étais fier de surmonter tout ça. Parce que je savais que cette force-là, voilà, allait me servir ensuite dans le football. Et le football, ça a été un échappatoire. Voilà, le football, ouais. En fait, très vite. Par rapport à cette période. Ouais. Voilà, très vite, au lieu de. Ouais, c'est un rêve, c'est un objectif, nanana. Moi, je rêvais pas, en fait. J'étais dans le. Mmh. C'est-à-dire que quand il y avait des décisions à prendre, la dalle que moi j'avais, tu vois, la vision des choses que j'avais faisait que le Havre devait me garder. Tu vois, je m'étais rendu indispensable à travers l'aura. Même en dehors du club, dans la ville. Et je pense que ça a été ma force au Havre, tu vois. Je connaissais tout le monde. Là, tu vas au Havre, tu crois que je suis un mec du Havre. Je connais tout le monde au Havre. Tu vois, là, je vais au Havre, là, on va au Havre tout de suite. Tu vas croire que je suis un mec du Havre. Et ça, c'est important quand tu vas dans une ville, dans un club et tout ça, de t'ouvrir aux gens. Et vu que je me suis ouvert aux gens, les gens me l'ont rendu x 1000. Tu vois, moi, j'ai un amour pour la ville du Havre qui est inconditionnel, tu vois.